Il n'y a pas de réforme des retraites. Voilà, c'est une augmentation lourde des impôts par les prélèvements obligatoires, les cotisations sociales des entreprises, les cotisations sociales des salariés, des fonctionnaires, et puis les cotisations, et puis les impôts des retraités. Et puis il y a cette mesure de décalage de trésorerie, mais enfin qui est une vraie atteinte au pouvoir d'achat sur l'ensemble des retraites, puisqu'on n'indexe plus au bon moment. Donc il y a un moment donné, pendant 6 mois, les retraités vont en plus souffrir de ça, notamment les petites retraites. C'est une pure et simple augmentation de la fiscalité. Le gouvernement a évité tous les sujets qui sont les sujets constitutifs d'un système de retraite, parce que c'est difficile, parce qu'il faut du courage, parce qu'il faut pouvoir affronter, il faut pouvoir expliquer, et en même temps, c'est l'honneur d'un gouvernement de traiter les vrais sujets. L'intérêt général, c'est que notre système de retraite, il continue à se réformer au fur et à mesure du temps, au gré des difficultés économiques, au gré des difficultés financières, mais que le système par répartition s'équilibre. Et voilà, tous les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans, il faut revenir sur un certain nombre d'éléments. Alors soit c'est automatique, et puis c'est très bien, soit c'est des décisions politiques, et tous les 4 ans, 5 ans, la droite a fait à chaque fois des réformes structurelles majeures, contestées toujours par la gauche, et là la gauche, évidemment, recule devant l'obstacle. De toute façon, il n'y a pas une réforme des retraites, je l'avais beaucoup expliqué en 2010, il faut adapter notre système. La durée de cotisation, elle s'allonge. Le gouvernement décide de l'allonger jusqu'en 2035. C'est au fond, il met 15 ans pour faire une année de durée de cotisation. Donc c'est colossal, c'est considérable. Et au fond, il prend la suite de la réforme de François Fillon. Et puis, par ailleurs, il ne change pas les règles concernant l'âge, alors qu'il fallait poursuivre ce que nous avions commencé, c'est-à-dire 62 ans en 2017, puis on voit que les choses se compliquent, donc évidemment, on poursuit, par exemple en 2021, c'est-à-dire au même rythme qu'auparavant, on augmente d'une année, on passe à 63 ans, c'est clair pour tout le monde, c'est lisible, et c'est juste aussi pour tout le monde, et c'est juste pour les jeunes, notamment les jeunes qui ont décidé de faire des études, rentrent tard sur le marché du travail, il est juste qu'il y a un âge à laquelle ils aient le droit de prendre leur retraite, et que ce ne soit pas uniquement calculé sur de la durée de cotisation. Non, vraiment, le gouvernement a mis à côté de la plaque. En faisant ça, il a créé de nouvelles injustices, il n'a pas réglé les vraies injustices du système de retraite et il a continué son matraquage fiscal qu'on connaît bien.